Salut à tous les supporters du Real. On apprend que Mbappé n'a pas tranché sur son avenir. Lui qui va affronter le Real avec le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il ne veut pas se précipiter pour pas mettre. Pour pas se mettre dans une mauvaise situation. On apprend aussi que Lucas Modric et Marcelo ont été positifs au Covid. La durée d'indisponibilité n'a pas été communiqué, mais il semble peu probable qu'ils prennent part aux deux rencontres du Real face à Cadiz et l'Athletic Bilbao. Quant à Javier Tebas, le président de la Liga, il pousse pour Mbappé et allant dans Liga. Il a déclaré tout indique que Mbappé va jouer au Real et j'espère aussi que Haaland jouera dans un club espagnol. Le Real pourrait avoir les deux s'ils le veulent à un prix raisonnable, même si avec Mino Raiola, tout est déraisonnable, ce serait un effort très grand pour le Real, mais ça irait très bien à la Liga. Ça m'est égal si Mbappé et Haaland jouent dans la même équipe ou l'un contre l'autre, tant que les deux sont en Liga. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, je vois mal Haaland avec Mbappé. Car Mbappé veut jouer en tant qu'avant-centre. De plus, il y a aussi Benzema. Comme il veut aussi faire un nouveau duel après Messi contre Ronaldo. Il veut mettre Mbappé contre Haaland pour les Clasicos. On apprend aussi que Benzema a reçu une récompense lors des trophées annuels du journal AS après son année impressionnante au cours de laquelle il a mis 45 buts. Il en a profité pour adresser un message au PSG avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il a déclaré: nous devons gagner tous les matchs pour gagner la Ligue des Champions. Nous savons que le PSG est une grande équipe, mais nous pouvons nous imposer. C'est un match que tout le monde veut jouer. Nous irons pour gagner le match. Allez. Et le match retour, nous voulons sauver la Ligue des Champions. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.